rentrée, louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais je suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, je... Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu, voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous, j'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher un... n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein. Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop, de manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou, qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vésuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza il y a. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vésuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? À cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps à prendre un coup de fil de ma mère. Tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est?
C'est Lou, monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. Et voilà, une Vesuvio et une quattro fromaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la quatre fromages. Pas vrai, Boubou? Gino! Ciao, Bella! Que puis-je pour toi, cara mia? Me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé des pizzas? Oh, porca miseria! Oui, et du coup, ma mère a été malade. Un momento! Après réflexion. Non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma y a du travail, tu sais. Et donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco de gente dans mon restaurant. Quelle question? Je ne m'en souviens plus. Il y avait la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé des pizzas. Mina? Salut. Entre. Salut. Il y a un souci? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas! J'en prendrai une au tofu! Mais alors? C'est la faute de ta mère! Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas! Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. J'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte.
Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolé. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que, au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Ben non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit un tour? Au parc? Ah ben oui. Génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye. Que les méchants, Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, 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 c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Königs is rigged down throne Elfmat. Ah, la chorégraphie, la chorégraphie, la chorégraphie. Hey, Jill, tu pourrais nous expliquer le truc, là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais, hey, Jill, attends! Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsuo Kayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papier aussi intelligent, tu ne trouves pas? Ben, si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes. Mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein. Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craignose d'un garçon du collège sur Internet. Oui, du coup, tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais si... Enfin, tu vas voir. Mmh. Hey, mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça. C'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet... C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte? Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison? Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Oh. Ah, c'est Gilles. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire?
qu'il faut pas flipper. Tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Hé, hey, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oui, ou tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein. J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenue une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, je te signale. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le faux business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne. Je t'aime, Tristan. Je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles. Je me cache dans des poubelles. Je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison. L'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine. Effacer le film. C'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison. Ils se marrent tous parce qu'il se passe les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevelle. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val-des-Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevelle, Richard. Stop, départ. Bonjour, Madame Chiot. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, Madame Chiot. C'est ce film qui me... Un film? Je peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo. Gilles, on vient de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé? J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillée. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change. C'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors, à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. Hein? C'est une vidéo qui donne la frite. Oh. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. Désapilant, il faut que vous voyez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois, c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par deux? Mais cette fois, ce sera différent. Tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi, on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo. Il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais parce que sinon, tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Bon, je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien.
Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Richard, je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser, vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, Splash comme Oder. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Comme au retour, Splash comme Oder. Comme au retour, Splash comme Oder. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisse, ok? Tu voulais que je te rende tes livres, les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Et celui-là, comment vous le trouvez? Vous le faites exprès ou quoi? Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? J'y travaille. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse. Et je suis pas la seule à le dire. Regarde les commentaires. Ça vient des quatre coins du monde. La vidéo la plus sympa de la semaine? J'adore cette danse. Enfin, un peu d'originalité. Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie. Ces danseurs sont géniaux. C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de trois clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir, comment elle s'appelle cette danse? La ville tonique. Allez les filles, tout le monde en place.
alors, ma grande, tu la sens, cette bonne odeur? C'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben, c'est gay. C'est quoi, cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois. Ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti. Ça devient grave, ton truc, là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Eh, tiens, salut, Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Bon, t'as raison, je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah, comme s'il m'embrassait, par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi, alors? À vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Le fessier maintenant, redressez-vous, extension, flexion, et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4. J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, oh! Qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi, en tirant sur le fil? Salut. Salut. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère. Le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corns. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut.
Salut. Tu vas au magasin de musique, hein? Donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, ben, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou La confusion des sentiments. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle Les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais tout ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux! Bon, ne bouge pas pour que j'aille au petit coin. Quel cauchemar! Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Alors, y'a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles. Enfin, je veux dire, avec les mères. Bonjour, madame. Ah, Ivy. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, je... Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants sous la pluie et celle où ils font exploser l'hélico et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus, promis. Dire que je t'avais trouvé un prétendant, le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non, ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignées. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, oh, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon. Eh ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui.
Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que... peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement. Mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non? Un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau. De la viande à chier. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion. Tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah! Mais oui! Maintenant que tu le dis. La fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus directe. Essayez les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Bene, entrez, ne restez pas à la porta. Ciao, Gino. Hey! Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage. Ça va? Tiens, bon anniversaire. Sympa, merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Déa. On vient de me l'offrir. Ah, ok.
Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connu. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Écoute, tu peux pas laisser tomber. Tu as fait un pacte avec ta mère. C'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tristan, joyeux anniversaire. Et ça va, elle était toute pâle. Du miel, une goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi, je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. Tu m'énerves. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Ben si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Si. Bon ben, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends! Tu n'étais pas venue pour me dire quelque chose? Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'aie rien à lui exprimer directement. Mais oui! Ma que... Dio mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour Arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade. Je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olive, ladro. Quoi? Répète, j'entends rien. Tu vas me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Je ne te dérange pas trop? Bof, non. Jack! Jack! Tu regardes Titanic à 4 heures de l'après-midi? Ouh là là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! T'en revoilà? Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir.
Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Ben alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Ce qui lui arrive? Des problèmes d'ado. Richard, je voulais te dire... Pardon, vas-y, je me tais. Non, excuse-moi, toi d'abord. Ben voilà, je... Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arbe va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Au revoir. Des sentiments au docteur Helmut. C'est pas Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut! Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? De l'humour, c'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que je réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle. Là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plombs pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en.
invitation pour ton anniversaire. C'est sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Il y a d'eau d'éléphant, une pluie de pétales de rose. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie! Eh bien, bravo, tu es fière de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps, là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer, hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie, c'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile, mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère qui a pris son après-midi va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes, je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina. Ah, tu voulais pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, bah, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Bah non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois. Désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Ouais, ouais. Le flow est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la recordwoman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai une monde de fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire? Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, je viens juste de le donner au papa de Mina. Au papa de Mina? Main droite sur verre. Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire. On y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris, normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où... Bon, ben alors on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant!
Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle, elle est à l'envers, hein? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul. Je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe, surtout ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bon, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous, vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Essaie toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub? Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça. Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, oui, j'ai compris, turboréacteur. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Mina, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère. Excuse-moi, je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message Go, fais le plus de bruit possible. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons. C'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. C'est bon. Je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Foutaise. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento pour la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré sous séparazione d'être venue avec son marito. Quoi? Robert est ici?
Allô, Lou? Oh. Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faucon rusé, mouflon espiègle. Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Karamba! C'est ça votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte? Bizarre tout ce monde, c'est désert le mardi normalement. Hé, hey, Gino, ben, et notre table? Mamma mia, scusi, venez, vais vous en trouver une autre. Là, c'est bene, non? Ecco, une escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours 2 salades capri, sans croûtons, et une grande pizza volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Cassante, amore mio. Ah, ben voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchantée, vous êtes de Québec? Montréal. J'ai toujours rêvé d'y aller, il paraît que les gens sont très accueillants. Bon, ben moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop! Ben alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu malpoli ta façon de partir tout à l'heure. Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non,
Aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel. Trop fort. Bon, maintenant tu me laisses ? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaïolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe, là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai à bouger, hein? M'excuser? Ah non, plus quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Hey, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, hey, ciao, cara mia! En l'honneur des Hyacinthes, j'ai décidé de faire quelques picolés transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde! Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Ma, pas du tout! C'est un concept révolutionnaire! Les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise! Tiens, je veux que tu sois la première à goûter mes cannelloni du trappeur! Une merveille sublissima! Jamais! Trouve-toi un autre cobaye! Ma... Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placée pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi. Le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut. Salut. J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation. Il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal? De qui? De Mia Poupa. Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop... farabuto. Super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés cuisine et nul sur Internet. Ne vous laissez pas abattre, il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Ça alors, quelle coïncidence! Vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Ben, avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculée et je suis tombée en amour. Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non. Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr. Une femme parfaite, quelle galère.
Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit faux plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça. Elle est géniale. Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la poêle. Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Trop cuit, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquilles qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie! Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non, mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? Hein? C'est que... Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mia Lou, ce n'est pas parce que je suis amoureuse de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas, il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? À la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnole. J'y vais. Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais je... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non! T'inquiète. On descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Bah dis donc, y a pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise n'est plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps.
Eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents. La pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh, non. Louloute? Allez, sors de là, quoi. Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord, c'est une malle. Et ensuite, je parle à Lou. Elle se planque toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah... oui. La honte. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément? Ben ouais, je pourrais, essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas ta malle, là? Hein? Oh, mais... si! Hé, arrêtez! Il se fait la malle! Oui, ben maintenant, va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non! Un type a emporté la malle! Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux. Regarde, j'ai retrouvé mon vieux polar. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre malle? Ah oui, après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non! Mais ça va pas, t'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah, zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette malle, à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac. Ouais, ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap. Et je suis là pour t'aider. Hein? Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien? Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes? On dirait que t'as mangé du ciment. C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais! Véritable lingot plaqué. Tant que vous c'est
ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire. Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toutes ces vieilleries et hop, le tour est joué. Une affaire, oui. Mina, ça marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Serf, frôleur, franche à voile, patin, roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Produit de Sibérie, garanti, sans radioactivité. Offrez du bon et du beau, offrez des fleurs en sucre. Regarde, hein? Là, hein? Je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour. J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, t'as mal. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, il fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Quoi? Du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, cette malle, maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh ben non, désolé. Oh, c'est fichu, je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Alors? Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché. Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître. Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao! Salut. Alors les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, bah ça c'est cocasse. L'ancien vient d'en ramener une chez lui, il n'y a pas une heure. Il a fait un raffut de tous les diables en la montant. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non. Évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yog-Sothoth. Hey, vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit. Si, enfin... Pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Bah en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme... libérée, quoi. Bah alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Hum? Hé,
Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle loup. Voilà. Super. Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hé, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie, sors de derrière ce rideau. Allez! Non, plus jamais! T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Salut les filles! Vous avez trouvé vos pantalons? Dans une boutique super tendance, top classe, chez Frims, quoi. Parfait. Tu as bien compris, Tornado. Tu dois faire dans la caisse, pas à côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez. Oui, bien, c'est un bon chat, ça. Boulou, boulou, tu vas y arriver. Boulou, 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 continue. Tu peux le faire. Je te déteste.
dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. La vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel. Avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah! Hé, Lou! On se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait! Complètement grotesque, les pompons! Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas... Hé, Lou, tu rêves? Ton téléphone. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félis Sylvestris Catus? Votre chat. Ah, Hulk, il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Rien, c'est moi. Hein? Grâce à mon allure de chat dominant, votre bronne de nuit va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien! Prenez votre temps, surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait. The créateur de mode. L'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti. Encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat.
bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Il est franche. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style, jamais. Waouh, c'est bien dit, ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle.
louloute. Excuse-moi. Ce bouquin-là, fabuleux. L'archiponcture de A à Z, qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du feng shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de Sidéra n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? De ça. Quoi ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne. Qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Venez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de... faire repeindre l'entrée qui est un peu... défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non, non, pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien, l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place, tu ne trouves pas? Ben, Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. T'es bloqué. Coucou, j'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient.
Bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Ah? Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là, sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien. Un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées-là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens. Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok, il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones? On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà! Ouais, je ne suis pas vraiment convaincu. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là, ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee, il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Ben vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, 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 s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre affreux boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh? Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Bien considéré, c'est pas terrible, terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite.
Il n'y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui, j'aimerais bien voir ça. Hey, mais qui a osé m'acculer Bruce Lee? C'est madame Schurm, elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes en été, autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si. Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Eh oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Il y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines? 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Eh, hey, salut, Joss. Bonjour, tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Maud s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein? C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Ben, aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, car ma grande passion, c'est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh, que si! Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan. Eh ben d'accord. Disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah, tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan.
Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Hein? Tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein. Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relaxe et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux! Ça s'est pas du tout passé comme ça! On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Ouf! On n'a rien raté, pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! Ben, j'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue, s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Hein? Pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui? Qui? Gilles? Mais non, idiote! Avec Tristan! Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser. Bref, comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher. Pourquoi? Parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Ben, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Hey, dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes! Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance, au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, ben, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, je... Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super. Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça. Oui, enfin bref, Gilles en a eu plus qu'assez et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Ok, d'accord. Ça m'arrange, il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein. Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacée physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé.
La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas. Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine. Oh. Ma copine? Tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit... Non. Moi, cruelle, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine, mais cette fois, c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir aspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillée à côté de Tristan, Solène, enfin ils se sont... Elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. À l'aide! Il faut lui faire du bouffe à bouffe! Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. Oui. Oh. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste. T'avais qu'à être plus cool, c'est de ta faute. Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit, on en a assez entendu. Et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure, le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Ben, ça aurait pu être pire. Tu parles. Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Ben, j'aurais d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi, toi, tu vois la vie du bon côté. Tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi, je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi, je suis complètement à l'ouest tout le temps. J'aimerais tellement être forte comme toi, ma louloute.